Salut, c'est MetaBlaze, bienvenue sur cette vidéo sur Medal of Honor Débarquement Allié. Aujourd'hui, 10e épisode, on va commencer la 5e mission. C'est parti. Vous avez fait du bon travail. Allez, briefing. Les renseignements que vous avez récupérés seront appréciés à leur juste valeur par nos unités engagées en Normandie. Ah. Et revenons-en à nos moutons. Les documents de la mission 4, du coup ? Trois divisions du 7e corps d'armée américain approchent du port de Brest, le 2e de France par la taille. Le commandant allemand de la place dispose de 50 000 hommes éparpillés dans la région et de plusieurs batteries installées sur le littoral. Il les a d'ailleurs orientées en direction de nos troupes. Notre commandement a échafaudé un plan audacieux. Ça fait mal. À accroître les chances des alliés dans la... C'était pas une photo. C'est le jeu. Assurant le contrôle de l'estuaire qui borde la ville, nous pourrons déplacer nos troupes et nos blindés rapidement et mettre l'occupant sous pression. Le facteur temps est essentiel. Mais nous n'avons pas assez de blindés dans la région pour prendre le pont. Il va donc falloir voler un tigre royal aux Allemands. Grâce aux documents rapportés de leur QG, l'OSS a pu former un équipage américain au fonctionnement et au pilotage de cet engin. Vous aurez besoin d'eux pour mener cette mission à bien, mon lieutenant. Ouais. Vous les retrouverez au point de ralliement aux abords de Landerneau. C'est encore moi qui va sauver le monde, je reconnais. Le reste de Brest. Votre tâche s'annonce des plus délicates. Vous allez devoir dérober un tigre royal. Voilà. Chemin en territoire ennemi jusqu'à l'estuaire. Puis tenir le pont en attendant l'arrivée en soutien d'une unité de chars de notre 6e DB. Une escadrille alliée sera là pour vous aider. Elle assurera tout l'appui-feu qui pourra être fourni. Cela dit, je crois que le succès de cette mission repose entièrement sur vos épaules. Et ben voilà. Systématiquement, en fait, tout repose sur les épaules de Powell, en fait. On entame la 5e mission. Épisode précédent, c'était... Mais genre vraiment, je crois que c'était il y a 8 mois. Surtout, bah, je vous avais coupé ça justement en 3 épisodes. Et il se met à pleuvoir. Tout repose sur nos épaules et... Ouais, ils nous ont dit dérober un tigre royal. Mais est-ce qu'on va conduire le tigre royal? Ça, c'est la question, parce que moi, je veux bien conduire le tank, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ok, oh, on a Springfield. Plaisir. Oh, plaisir. Oh, plaisir. Oh, plaisir. Oh oui, la petite balle dans la tête. Oh, ça, c'est... Oh oui, ça fait toujours plaisir, ça. Bon, le mixage audio est toujours un petit peu approximatif. J'en suis désolé. Mais ils sont plusieurs. Mais il y a plus de 36 HP, je vais crever, gros. Bon, bah, tout reposer sur moi. Bah, voilà, c'est fini, c'est moi, c'est la mort, c'est la fin de ce let's play. Je déconne. Voilà. J'ai toujours une aim de bâtard. Notre collègue est mort. Il y en a un autre. Je suis pas le seul tireur d'élite. Oh, oui. Ça me tire dessus sans que ça me voit. Ouais, je suis un petit peu rouillé. 44 HP. Mais quoi, j'ai encore pris un dégât, hein. Le mec me tire dessus, c'est... on voit même pas les impacts de balles. Où est-ce qu'il est? T'es où, gros? Mais quoi? Mais on l'entend, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, t'es où, gros? Ah, mais ouais, il y en a un là. Ouais, mais je crois que c'est pas le seul. Ça y est, je les vois enfin, les gars. Non, non, c'était clairement pas le seul. Ah, là-haut! T'es donc là, tu te caches depuis le début? Mais je peux tirer? Quand même. Mais attends, mais ils sont où? Mais quoi? Mais depuis quand les mecs sont sur les toits, en fait? C'est bon, tout tu crèves. Mais quoi? Mais gros, j'ai pris quoi? Mais quoi? Mais toi, tu vas... Quoi? Mais genre là, il y avait un mec vraiment là? Ah, c'est la vallée de la mort. Ah, tu peux pas progresser! Oh, c'est l'enfer! On les mecs, on ne les voit pas. Genre systématiquement, ils sont planqués derrière les feuillages ou sur les toits et on ne les voit pas. A few minutes later. Bon, il se pourrait que je sois un temps soit peu rouillé. Il se pourrait aussi que là, vraiment, vous n'avez rien vu. Il se peut que je sois temporairement invincible.
Ce peut-être ce passage. Genre l'emplacement des ennemis, genre il change systématiquement dès que tu recharges la sauvegarde. J'ai l'impression. C'est un délire le truc. Je ne sais pour quelle raison. Là il se met à nous attaquer alors qu'habituellement il nous attaque jamais. Ici on a un pigu qui arrive, regardez, c'est la magie. Je le savais forcément parce que bon, j'ai rechargé la sauvegarde 6 fois. Encore je prends les dégâts. Alors là, je sais pas. Alors là, il y a un gars quelque part, là, caché là, je ne le vois pas. Bon, lui par contre, je sais où est-ce qu'il est. Je veux dire, là, il y a un Gus. Bah là, il est pas là. Je sais pas pourquoi, mais là, il est pas là. Il y en a un là-bas. Là, il m'attaque pas. Que là, mais pourquoi? Mais t'es où? T'es où, gras? Mais il est où? Ah, il est là. T'es en train de me dire que là, ça fait 3 heures que je suis en train de le chercher, là. Il se cachait là depuis le début. C'est abusé, en fait, sur la difficulté. Genre, je dis, on s'en sortait bien, les présentes missions. Bon, celui en passant, c'est la 5ème mission. C'est l'avant-dernière du jeu. Genre, je me suis mis en difficulté facile dès que je mange une balle. Enfin, je perds 20 HP. Sauf que eux, ils peuvent me tirer en rafale. Donc, je peux prendre 60 HP par un seul mec que je ne vois pas. Du moment que j'arrive pas à le tuer, je continue à prendre des dégâts. C'est un truc de fou. Vous savez, c'est quoi le plus drôle dans l'histoire? Bah, c'est que je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Normalement, faut suivre la boussole, sauf que là, la boussole ne pointe rien. Ne pointe rien, du coup, bah, je vais le rechercher de moi-même. Oh, elle est là, la team bazooka. Attends, mais ça m'a pas... Ah, si, c'est bon. On l'a récupéré. Ouais. Oh, c'est un joli bazooka, celui-là. Ah, il est un peu plus beau que le Bronzer Trek, celui-là. Trouve un chemin à travers la porte. T'es vraiment en train de me dire que là, l'objectif, c'est de faire ça. Ah bah oui, c'est vraiment ça. On est des giga barbares en fait. Bah ouais, on est des américains quoi. Ah, le retour des emmerdes. Waouh. Partie sauvegarder. D'accord. Mon lieutenant, le reste de l'équipage se cache ici. Oh, t'as un tank. On n'est pas tout seul. Et clairement, on n'est pas les bienvenus. Et il y a un tank, il y a un tank qui nous arrive sur la gueule. Je peux faire ça dessus ou... Ouais, quand même. Ah bon, objectif accompli. Bon, on va faire attention à pas prendre des dégâts inutilement. On fait bombarder. Comment ça on vous... Ah, on vous couvre, d'accord. Effectivement. Bah si seulement vous étiez là depuis le début, quoi. Oula, ok, je commence à prendre des dégâts. Ok. Non, mais stop. Mais quoi? Non, il y a encore des mecs sur les toits. Non, salut. ça c'est le médecin. Ah bah attends, mais c'est le médecin qui vient de me sauver, en fait, je suis en train de me dire. Il vient de me soigner à l'instant. Let's go. T'inquiète, je le fais, je suis un malade. Ah voilà, tu dégages. Venez m'aider les gars, j'ai mal, médic. Ah bah c'est bon. Eh mais il faut le café. Wow, doucement. Et heureusement que j'ai la possibilité de faire des petites sauvegardes auto. Hein. Oh, elle était belle celle-là. Ouais, par contre, oui, bon. Me faire affoler ma mère, là. Hein. Allez, dégage. Non, mais par contre, vous mettez pas devant moi, les gars. On a nos soldats qui commencent un peu à boiter, là. Mais quoi? Mais tu sors d'où? Il sort d'où? Attends, il me voit, là. Il y a un mec qui me voit clairement en face et je ne le vois pas. Mais il a 10 km. Mais gros, regarde comment il me rafale, j'ai 12 HP. Médic! Merci. J'ai raté. Mais gros, quand je rate, c'est scandaleux. Mais gros, c'est n'importe quoi! Mais me rafale! Je peux rien faire! Dès que je prends une balle, systématiquement, et genre, je peux plus rien faire! J'ai 6 HP, je vais mourir. Médic? Merci. C'est bon, tu dégages, j'ai dit! Ça c'est pas trop tôt. Mais médic, reviens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Médic. Ok, ouais non. Oh quoique. Ouais je suis bien. Lui a placé. Mais pourquoi il y a un trou ici? Ah ouais. Mais non. Mais sérieusement? Mais ils sont partout les gars. Médic, t'es là? Le gars qui utilise le pas de contrôle, ça me fume. Faites attention, ouais t'inquiète, j'ai le médic à mes côtés, j'ai même plus peur. On rush. Allez. C'était peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est pas grave. Ça marche. Je suis un malade mental, Billy. Oula. C'est bon? Oh, j'espère que Médic est encore vivant. J'ai pas vu s'il était encore... s'il était encore là. Salut. Ah, ok, il met le Médic, il est en train de soigner tout le monde, j'entends. Il carry le Médic.
Ok, Medic il arrive. C'est bien parce que moi j'arrive à voir les alliés, tu vois, j'arrive pas à voir les ennemis. C'est encore plus drôle. D'accord, donc là par contre, là mon aim était juste complètement éclaté. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que le médecin me soigne, genre je fais une sauvegarde manuelle. Oh bâtard! Genre là j'ai pris des dégâts. Ouais, bon j'ai pris des dégâts, tu vois, il suffit de revenir ici. Ça va quoi, je m'en sors bien. Non les gars. Et je continue à en prendre. Dans les fesses, tiens, tu peux pas prendre ça dans la fesse toi. Coup de bazooka, comme un vieux redneck. Ouais t'inquiète, hein, c'est comme ça qu'on fait la guerre, à coup de bazooka. Mais non mais c'est trop. Mais gros on se fait... On se prend des graines dans tous les sens. Mais non mais regardez, il y a encore des grenades qui nous viennent sur la gueule. Elle sort d'où celle-là? On s'en fout, on va à l'assaut. Allez, c'est parti. Médic. Attends, y en a 4. C'est bon, je peux parquer. Mais y'en a partout. Ça arrête jamais. D'accord, par contre, j'aime pas recharger en pleine action. Non mais dès que je me retourne, y'a un gars. Oh attends, j'ai vu un tank là. C'est celui-là qu'on pique. C'est bon, vous arrêtez. Et encore une fois le médic arrive. Hein. Merci le médic. Hein. Mais pourquoi t'étais pas là genre pendant la phase d'avant où je t'arrête de me faire éclater, j'étais obligé d'activer le god mode. Non pas toi le médic. Oui lui là. Merci mec, hein, merci d'être là. Hein. Il y a encore des pégus, non c'est bon c'est fini. Il y a un mec en face effectivement. Non mais regardez, c'est magique, regardez, vu que j'ai fait une sauvegarde. Suffit de revenir. Et là je le vois, ah merde mais j'ai pas la bonne arme. Il faut encore pas éclater. Voilà. C'est bon, tu fais dodo maintenant. Non mais je me casse en fait, c'est bon. J'ai compris, il y a un tank de l'autre côté. Je peux plus courir, pourquoi? Attends mais tout à l'heure je pouvais courir, j'ai ma touche de course qui est bloquée. Non attends, ça peut ça. On prend ça et on s'en va? Ah oui, on prend le char et on s'en va. C'était donc ça, c'était donc le char qu'on devait prendre, yes, ouais. On parlera pas de mon aim, je veux dire, de ma précision au shoot sur cette game, surtout que systématiquement t'avais forcément quelqu'un qui est, je veux dire, un ennemi qui était planqué, tu vois. Bon, ça fait une heure d'enregistrement, mais bon, vous allez pas vivre ce moment de galère. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'était la première partie du coup de la mission 5, je sais pas encore combien de temps elle dure, occasion c'est la fin de la mission, parce qu'on a récupéré le tank au final, c'était l'objectif. Et on est dans le tank, let's go. Un petit peu laborieux ce type de mission, on va pas se le cacher. Les ennemis embusqués, c'est un calvaire. Caché derrière les fougères, PTDR quoi. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour la suite de la 5e mission. On enchaînera du coup sur le 11e épisode de ce let's play. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas pour le référencement, mettre un petit pouce bleu. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou pour tout simplement l'épisode 11. Allez, ciao, salut.